They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc suite à mon sondage donc, que vous voyez ici sur mon blog, donc voulez-vous des vidéos Xiaomi et JDome, j'avais demandé que vous étiez 100 personnes à répondre oui pour que je vous fasse et que j'achète le matériel pour vous faire les vidéos. Donc vous avez été 147. Donc au début, donc, j'y croyais pas trop hein, que vous vouliez que je vous fasse des vidéos sur JDome. Car vous étiez entre 10 et 15 personnes à vouloir avoir répondu oui. Et c'est vraiment les deux derniers jours, vous avez cartonné, vous êtes passé le mot, et jusqu'à arriver à 147 jusqu'au dernier moment. Et donc merci à vous d'avoir participé au sondage. Donc je fais régulièrement des sondages, parfois vous participez, parfois vous participez pas, mais en général il y a au moins une vingtaine, une trentaine de personnes qui participent. Là donc j'avais demandé 100 oui hein, pour que j'investisse dans le matériel. Donc on va commencer par vous montrer qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Et d'abord, je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est que JDome. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas c'est quoi JDome. Donc JDome, c'est très simple. C'est un logiciel qui va vous permettre donc, de commander tous vos appareils de différentes marques. Donc tous vos appareils de différentes marques dans la domotique, bien sûr. Donc ici, Mi Home le fait très bien pour ses appareils. Donc, qui a des accords avec Philips, qui a des accords avec Mijia, qui a des accords avec d'autres marques aussi. Donc, ils ont plein d'accords avec d'autres marques qui rendent leur interface donc de l'application compatible avec tous les appareils de différentes marques. JDome va dans ce sens, mais va encore plus loin. Donc par exemple, si vous avez des lampes Philips Hue, vous pourrez les connecter sur JDome. Si vous avez une télé Philips connectée, vous pouvez aussi l'installer, donc la mettre sur JDome. Par exemple, tout ce qui est connecteur Netatmo, pour les Français, ben, on peut aussi... la TV d'Orange, tout ce qui est thermostat connecté. Donc JDome est complet, rassemble beaucoup de matériel qui est compatible JDome. Donc de différentes marques, aujourd'hui tout ce qui est grande marque connectée est compatible JDome. Donc, à la place d'utiliser 10 000 applications, 10 000 logiciels, ben, JDome rassemble tout et vous n'avez qu'un seul logiciel pour commander tous vos appareils de différentes marques. Donc, JDome, c'est tout simplement ça, un logiciel pour commander toutes les différentes marques. Donc, moi, je vais commencer la compatibilité dans mes futures vidéos. Donc, déjà avec tous les produits Xiaomi, on va les connecter au logiciel JDome. Et aussi avec les modèles Sonoff, j'ai des commutateurs donc Sonoff qu'on va aussi installer sur JDome, ainsi que peut-être ma télé, on va voir si c'est compatible ou autre. Donc ça on verra au fur et à mesure de mes vidéos. Donc tout d'abord, quel matériel faut-il pour JDome? Donc il vous faut un Raspberry Pi. Donc le modèle 3B, pourquoi ce modèle-là? Parce que ce modèle-là déjà, donc bien sûr il a la Wi-Fi intégrée et il a la particularité aussi d'avoir le Bluetooth. Donc ici moi j'ai le modèle pour ceux qui veulent aller plus loin, donc qui est fabriqué au Royaume-Uni. Après peu importe, hein, si vous avez d'autres modèles, tant que c'est le 3B ça va. Donc un Raspberry Pi c'est tout simplement... Donc, c'est tout simplement une petite carte mère. Donc avec ça, vous pouvez vous en servir d'ordinateur, de console rétro. Vraiment, il y a des milliers de possibilités différentes à faire avec un Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi, donc, si vous voulez l'utiliser comme simple PC, vous pouvez aussi.
Donc ça vaut entre 35, donc entre 28 et 35 euros. En ce moment, il est en bon plan chez Gearbest à 28 euros, mais pour les nouveaux clients. Donc il suffit tout simplement de vous créer un nouveau compte. Donc vous utilisez toujours votre même compte PayPal, hein, vous créez juste une autre adresse email et vous commandez à 28 euros tout simplement. Je vous mettrai les liens comme d'habitude hein, dans la description de la vidéo hein, qui va vous ramener sur mon blog où vous trouvez tous les bons plans et tous les produits que j'achète ici, que je vous montre, sont toujours en bon plan sur mon blog. Donc vous pouvez jeter un œil sur mon blog. Donc voilà une Raspberry Pi. Donc c'est vraiment juste une carte mère classique. Donc 4 ports USB, un port Ethernet très important qui va nous servir pour JDome. Hein. Donc pourquoi le Raspberry Pi au lieu d'un PC pour JDome? C'est très simple. Parce qu'un PC, vous l'allumez, vous l'éteignez. Donc quand vous éteignez votre PC, ben, vous n'avez plus accès à JDome. Donc c'est embêtant si pour une domotique qui doit être constamment allumée. Donc c'est pour ça que le Raspberry Pi va être constamment allumé et il va être branché donc pour une meilleure stabilité de réseau sur votre routeur ou sur votre box internet, votre box Wi-Fi, votre modem. Hein, mais c'est plus conseillé d'avoir un routeur qui sera branché par le câble Ethernet. Donc vous avez aussi un port HDMI qui ne va pas nous servir pour nous. Vous avez ici important le port pour la carte micro SD. Hein, donc il faudra la mémoire parce que dans les cartes mémoire, donc dans les cartes mères Raspberry Pi, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de disque dur. C'est vraiment une simple carte mère basique de base avec les connectiques. C'est tout simplement ça. Donc on va remettre ici dans son papier antistatique. Voilà. Donc il vous faut également donc le deuxième objet. Donc ici la prise bien sûr hein, le câble d'alimentation. Il vous faudra un 2 donc si il veut bien voilà un 2,5 milliampères. Donc un 2,5 ampères tout simplement, un 5 volts 2,5 ampères. Moi j'ai choisi ce câble-là. Parce qu'il a l'avantage d'avoir un interrupteur ici. Si vous voyez ici, hop, voilà, et c'est par micro USB. Donc tous les articles, bien sûr, vous le trouvez sur mon blog Raspberry Pi. J'ai mis tous les éléments donc sur l'article Raspberry Pi. Et si vous voulez avoir le bon plan pour le Raspberry Pi, vous avez dans le dernier article que j'ai mis pour les nouveaux clients, vous le trouvez en bon plan avec le code promo. Donc le troisième objet très important, c'est la carte micro SD. Prenez une bonne qualité. Moi j'ai pris ici une SanDisk A1 donc SDHC. Donc après si c'est une XC ou pas, ça a peu d'importance. J'ai pris une 32 Go, mais vous pouvez prendre aussi une 16 Go. Ça suffit, hein. Une 8 Go, je pense que ce sera court si vous avez beaucoup de programmes, mais je conseille au moins une 16 Go, une 32. Bon, c'est encore mieux. Et ici, elle a une vitesse d'écriture quand même de 98-98. Donc, pour moi, c'est une bonne carte mémoire. Donc, qui a quand même une vitesse d'écriture et de lecture assez rapide. Donc, voilà. Quatrièmement. Donc, vous voyez, le Raspberry Pi, ben, il n'y a pas de boîtier. Donc, vous pouvez risquer de le laisser comme ça, mais moi, je ne conseille pas. C'est parce que ça chauffe. Si vous mettez contre un meuble ou autre, ben, ce n'est pas conseillé. Donc, ça va s'abîmer plus. Donc, c'est pour ça qu'il vous faudra acheter un boîtier supplémentaire. Donc, il ne faut pas croire, hein, c'est pas cher. Hein. Donc, vous avez l'alimentation qui coûte 4-5 euros. Le plus gros du budget, ce sera votre Raspberry Pi, comme je vous ai dit, qui coûte entre 28 et 35 euros. La carte SD ici, je pense que je l'ai payée dans les 8 euros en bon plan. Sinon, vous l'avez dans les 10 euros, 15 euros, 20 euros. Hein, ça dépend si vous l'achetez sur Gearbest ou pas, en bon plan ou non. Hein, parce que quand on a besoin, on a besoin. C'est pour ça, moi, dès que je vois un bon plan sur une carte micro SD, je l'achète parce que ça peut toujours servir. Donc vous avez un boîtier,
Donc moi j'ai acheté un boîtier, vous avez des boîtiers donc classiques aussi, hein, transparent, plus petit. Ça c'est à vous de voir. Donc moi le boîtier ici je l'ai payé dans les 4-5 euros. Donc ils fournissent avec des petits modules donc pour refroidir, hein, des genres de petits radiateurs pour refroidir, donc avec une pâte thermique ici, ce qui est bien parce que vous avez juste à enlever le petit autocollant ici et le coller. Donc ça c'est pour le processeur ici, c'est pour mettre au processeur ici pour et mettre le petit radiateur ici pour aider à refroidir plus rapidement la carte mère. Donc voilà, donc ça s'introduit là-dedans, donc ça s'ouvre, hein, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est le matériel qu'il vous faut. Donc c'est quatre petits éléments en tout, il faut compter un budget d'une cinquantaine d'euros. Donc 50 euros c'est le minimum que vous pouvez avoir pour une installation JDOM. Donc mes prochains tests, donc j'aurai deux tests différents sur l'ampoule ici connectée, donc Philips E14, donc Xiaomi Philips, et aussi l'ampoule, donc pas l'ampoule mais le spot connecté, aussi compatible avec l'application Mi Home. Donc je dis Xiaomi mais bon, sur la boîte il n'y a rien d'écrit Xiaomi, hein, c'est juste que c'est des... c'est un partenariat avec Xiaomi pour l'application Mi Home. Donc ils sont complètement compatibles avec l'application Mi Home. Donc merci d'avoir regardé. À la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Abonnez-vous à mon blog et à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. À la prochaine. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're finding.